circonscription, triangulaire, groupe parlementaire, pas toujours facile de se retrouver dans le jargon des législatives. Alors pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement de ce scrutin, on vous décrypte le lexique des législatives. D'abord, à quoi correspondent les circonscriptions ? Il est possible pour cette élection que votre voisin, qui habite pourtant dans la rue d'en face, doive choisir entre des candidats qui sont différents de ceux qui se présentent chez vous. C'est le résultat du découpage des circonscriptions électorales. Il y en a 577, soit autant que le nombre de députés qu'il faut élire, et géographiquement, elles ne correspondent ni aux limites des départements, ni à celles des cantons, mais ont leur propre délimitation. Sur son site, l'Assemblée nationale précise que ce découpage répond à des considérations démographiques. Proportionnellement à leur nombre d'habitants, les départements se voient attribuer un certain nombre de circonscriptions. Celles-ci sont dessinées de façon à ce que chacune d'entre elles représente environ 125 000 habitants. Le dessin de ces circonscriptions est donc censé s'adapter à l'évolution de la population en France et à sa répartition sur le territoire. Mais depuis le début de la Ve République, seuls deux redécoupages électoraux ont eu lieu, un en 1986 et l'autre en 2010. C'est d'ailleurs la date à laquelle des circonscriptions ont été créées à l'étranger pour représenter les Français établis hors de France. Qu'est-ce que le scrutin uninominal majoritaire ? Dans chaque circonscription, c'est un peu comme si se jouait l'élection présidentielle à petite échelle. Le candidat qui obtient le plus de voix au second tour est déclaré vainqueur et les autres sont éliminés. Un mode de scrutin qui doit permettre de garantir la stabilité des institutions politiques, mais il est aussi beaucoup décrié parce qu'il favorise les grosses formations politiques. Ses détracteurs recommandent d'ailleurs l'instauration d'une proportionnelle. En 2017, par exemple, LREM avait obtenu les trois quarts des sièges, mais n'avait pourtant obtenu qu'un tiers des voix. Qu'est-ce qu'une triangulaire ? Dans certaines circonscriptions, le scrutin sera plié dès le premier tour si un candidat obtient plus de 50% des voix et que le nombre de voix obtenues correspond à 25% des inscrits sur les listes électorales. Quand ce n'est pas le cas, les électeurs sont envoyés pour aller voter au second tour. Dans ce cas, seuls les candidats dont les voix représentent 12,5% des inscrits sur les listes électorales pourront être qualifiés. Un seuil qui permet parfois la qualification de trois candidats et qui donne donc lieu à une triangulaire. Mais ces situations restent rares. Encore plus rare, on voit certains second tours avec la qualification de 4 candidats et donc la tenue d'une quadrangulaire. À quoi sert un groupe parlementaire ? Pour chaque parti politique, l'objectif des législatives est d'obtenir le plus grand nombre de députés pour peser le plus possible à l'Assemblée nationale. L'objectif est donc d'obtenir un groupe parlementaire qui est possible à partir de 15 députés. Dès lors, chaque groupe jouit d'un temps de parole qui va être proportionnel au nombre de députés qu'il a et d'une dotation financière dont le montant va dépendre aussi de ses effectifs. À partir de 58 députés, le groupe est encore plus fort et peut ainsi déposer une motion de censure contre le gouvernement. Ce dernier n'est effectivement renversé que si la motion de censure est adoptée par 289 voix.